faculté générale académique. Parce qu'on consomme sainement. Un grand plaisir, c'est aussi un honneur parce qu'il s'agit vraiment d'une manifestation spectaculaire et aussi importante aussi. Ça nous permet de voir ce que les étudiants sont capables de réaliser, ce que les chercheurs et les enseignants peuvent aussi réaliser. C'est vraiment bien. Il y a de grandes avancées cette fois-ci qui ont été réalisées. Au fur et à mesure qu'on va, je pense qu'il y aura encore de meilleures choses. Vraiment, je soutiens le ministre dans cette initiative qu'il avait prise de pouvoir donc organiser ce genre de forum. Vraiment, ça vaut la peine pour améliorer, si vous voulez bien. Un système qui nous permet de produire l'électricité à partir de cours d'eau qui n'ont pas de chute. Nous prenons le cas de la rivière Kalam. On a déjà évalué la vitesse de coulement de la rivière Kalam où c'est 1 mètre par seconde. Alors on avait placé une première roue qui nous avait permis d'extraire pratiquement 5 à 6 cavers. Mais comme ça c'est une petite machine pour éviter les encombrements, on a construit une machine qui peut aller jusqu'à 3 cavers. Alors on a mis l'alternateur d'un caver seulement. On est pour que la machine ne soit pas essoufflée. Le principe est très simple, c'est comme un petit bateau qui flotte sur la rivière. Et comme le bateau est calé, la roue se laisse entraîner par l'eau. Et quand ça se laisse entraîner par l'eau, ça entraîne l'alternateur. Et ça produit directement du 220 volts. Donc on alimente la maison, les réfrigérateurs, la radio, le téléviseur, tout ce qu'on met, sauf les réchauds électriques. C'est déconseillé parce que ça surcharge la machine. Vous avez déjà essayé ça ? Sur la rivière Kalam, en 2003, oui. En 2003. Ça nous avait coûté autour de 2 000 $ pour faire ça. Okay. La fabrication, c'était 4 mois seulement. 4 mois. Ce qui est vrai que quand vous avez fabriqué ça, vous êtes autonome par rapport à la SNEL. Okay. Si on mettait des moyens, vous allez en produire combien? Même une centaine, pourquoi pas. Si on met des moyens, je peux produire même une centaine de machines pour aider ceux qui sont dans les milieux ruraux. Non polluant, c'est ça. Non polluant. Puis c'est plus simple, c'est propre. Et c'est très simple parce que ça n'exige pas de chute. Parce que vous savez que la construction des barrages coûte très cher. L'ouvrage en maçonnerie coûte très cher. Ici, on n'a pas besoin d'ouvrage en maçonnerie. Parce que notre, c'est un petit bateau qui flotte sur l'eau. Et c'est très, très facile à manipuler. Okay. En fait, j'ai remarqué qu'il y a une certaine évolution dans la mentalité de certains étudiants de différentes universités. Par exemple, c'est les étudiants de l'INBTP, ils ont vraiment fait une maquette qui m'a vraiment beaucoup touché. Et une maquette sur une centrale hydroélectrique qui permet d'électrifier un village. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé, j'ai trouvé qu'ils ont une mentalité évolutive.
Oui, ça m'a beaucoup impressionné de voir toutes les universités ici avec, avec leur exposition. Il y a d'autres choses qu'on a jamais vues. On entend seulement qu'il y a telle personne qui a fini dans telle université, dans tel domaine, mais ça nous a beaucoup plu de voir leurs expositions. Par exemple, ici, nous sommes dans le standing de l'Université de Kinshasa. Alors, j'ai beaucoup aimé, vraiment. En fait, je ne dirais pas que ce n'est pas la première fois. C'est peut-être une seconde fois, une deuxième fois. En tout cas, je vois qu'il y a de l'amélioration par rapport à l'organisation, aux expositions, les différentes universités, instituts supérieurs. Découvert de choses que je n'ai pas, en tout cas, vues depuis que je suis née, en tout cas. Comme là, derrière moi, je découvre en fait le Safou dans son entièreté, toutes ses dérivées, ses composantes, en tout cas.